não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar, dói em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. O clima é de partida, vou dar sequência na vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Bon internaute, là on s'est fait une petite balade dans la pampa brésilienne encore aujourd'hui là, mais la petite balade, ça creuse hein, les petites balades. Donc là on s'est arrêté, on se fait un petit barbecue avec mon pote Marcelo et les autres touristes. Et puis on se remplit la panse, tu vois. Bon j'ai un peu aidé, c'est un peu moi qui fait le boulot là, mais je suis sûr ils vont se régaler, hein. On se fait un petit barbecue là, hop. Et puis après on reprend la marche. On reprend la marche, c'est comme ça là, le pantalon. Bon internaute, c'est pas tout ça, mais après avoir bien mangé, moi ça manque un petit truc. Ça manque un dessert. Donc le dessert, quand t'es dans la pampa brésilienne, c'est facile, tu vas le chercher. Hein? Petit. Viens là, petit dessert. Bon, tu viens ou pas? Ouh là là. Viens ici. Viens ici, petit. Viens là, je vais te manger. Je vais te manger. Mais tout le monde, bon, il n'y aura pas de dessert aujourd'hui, hein, tant pis. Bon, on va faire un dernier essai. Moi, j'adore les desserts, internautes. Hein. Allez, on va essayer de l'attraper bien, tranquillou. Ici, viens ici, petit. Qu'est-ce que tu dis? Bon, je suis pas encore un bon chasseur de crocodiles. Hein. Bon, rectification, c'est des caïmans. Les crocodiles, ça aura pas été pareil. Bon internaute, ne crois pas que je m'apprête à construire un mur ou à faire le ciment ou la truelle. Non, là en fait je suis en train de faire la dernière activité de mon séjour au Pantanal. Une petite expédition équestre à travers la pampa brésilienne. Et ils nous ont juste filé les bombes les plus ridicules qu'ils ont trouvées, c'est-à-dire des casques de chantier. Donc bon bah je pense qu'ils sont taquins les Brésiliens. Ils aiment bien se foutre de nous un petit peu. Donc bah écoute, on y va, on va traverser la pampa, on va essayer de voir la faune, on va essayer de se baigner, je sais pas. Suis-moi et puis c'est parti hein. Vamos lá, Truel. Que vontade de chorar, dói em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou voar. O clima é de partida. Bon internaute, pendant cette petite balade équestre, on va faire une petite pause de rafraîchissement, donc c'est parti. J'ai un petit peu chaud. Je vais nous rafraîchir. C'est la minha vida. E de bobeira que eu não estou. E você sabe como é que é. E eu vou. Mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. C'est bon, on peut reprendre la balade. Je suis rafraîchi. Demorou, vai ser melhor. Et voilà internaute, mon aventure au Pantanal se termine. C'était quand même assez sympa de pouvoir se détendre ici dans cette région reculée du Brésil, au bord d'une rivière gavée de caïmans, et puis le tout agrémenté d'activités assez sympas. Et bon, c'est vrai que quand tu vis dans un endroit qui est réputé pour sa faune et sa flore, t'es exigeant, tu vois, là, je suis un peu déçu, j'ai pas vu d'anaconda, j'ai pas vu de jaguar, mais bon, c'est un peu les animaux qui sont super durs à voir, donc à côté de ça, j'ai vu plein de singes, plein d'oiseaux, des loups géants, des caïmans agavés, donc vraiment un très bon moment. Même si, bon, si tu veux voir de la faune et de la flore, l'Afrique reste quand même le number one. En tout cas, si tu veux venir ici au Pantanal, sache que j'ai passé 4 jours, 3 nuits, dont 3 jours d'activité.
Et ça m'a coûté 140 euros avec les 3 repas inclus et l'hébergement et les activités. Et la nourriture était vraiment délicieuse. Et je me suis bien rempli la panse. Donc bah écoute, si t'as envie de te faire une petite santé en plein milieu de nulle part, viens à Pantanal.